من المكان يعدى ثمانية مغرس السنغرلان نيزرفان تمطوث توقف مسلاي يميال سقواسي تغال تمسل تكين نيزرفان نتمطوث زرم زرم كادي ثموث شكي ضرون ثقراكير أما ذي ثموث القبيل أما ذي الزير سوماثا سيثوفا غانثكا أرثورا غكا ثلاثة تلمزيين تلاوين إن صروحة شيما ثنهنان أكذ كنزا إيه كتولي مس قصا ماشي مس قصا نظن تقثو مسلاي غا في زرفان تمطوث ذا شكير ذا كوكرا ونتكثي وين ادنى وين ارسن تلاكي راك سنات نتنفكي وين يو تنفكي وين ولا مت ديجا يا كان انت ثلا كثوره تسل تسلمات دي موريال وذا غن تسل ويث انت دوك لا ني زرفان انت لا وين ذي كيباك ثكي ليلى لسبات وماسينير الزول فلام ليلى بونجور ليلى بونجور ميرسي دو نوز افوار انفيتي تنفقيث في السنة تيك التمزور مثل تدولين نتسات تسلمة تسلمة ماشا ذقس قنفو نار مقارن انسينيونت ان رتخيت ذكي تيلي تيدير دي مويال داش علي سقوسنا يا ثكي راشدة اي تطه وماينا ازول لما راشدة ازول لما راشدة ازول كيكي تولم دا نفود دا مسلاي كيكي J'ai dit comme quoi jamais le 8 mars a connu des liens. Et sur le film, quand on escrime des liens sans mais français, c'est très bien. Les liens à faire même les travailler. Rachid, ma chère Malie, je suis en de garder français. Travailler, Rachid, Lila. Comme je viens de le dire, le 8 mars, comme cette année, on a vu beaucoup de débats autour du 8 mars. Est-ce que c'est par rapport à l'actualité, notamment dans notre pays, ou qu'est-ce qui a motivé ce large débat autour du 8 mars et quel est pour vous le 8 mars? Quelle signification porte le 8 mars pour vous? Ben, le 8 mars, c'est quand même une grande journée pour les femmes. Hein. C'est la journée internationale des droits des femmes. Mais je crois qu'en Algérie, elle a un autre aspect. Il faut reconnaître quand même qu'aujourd'hui en Algérie, les femmes ont énormément perdu. Et le 8 mars... si on peut le dire, il est quand même assez triste aujourd'hui de constater qu'il y a autant de féminicides. Ça prend une ampleur. Juste depuis l'année 2021, il y a eu 9 féminicides. Ce sont des féminicides qui ont été en fait officiellement déclarés, mais il y a beaucoup de féminicides dont on ne parle pas et qui se passent aujourd'hui dans la société. Oh, on revient peut-être en détail, oui, parce pense. Qu'on aime bien avoir des statistiques qui comprennent au Québec aussi, hein, parce que le féminisme, c'est un problème international. Rachida, c'est une réussite de la win, mais c'est une question qui est très valide, féminisme d'Arvel à Guerlain. Mais si on a Guerlain, mais cher, c'est quoi ça? Nous sommes, nous l'attendons, c'est Guerlain, à mettre votre réveil, à mettre le Zaire, à ce féminisme, c'est par les statistiques à finir d'acquérir, ou à dîner d'abord, à ce que je suis يوشو خاطر ثورة ولا نهدرارة في إزرفان تلاوين أو تمطوث من نغال تلاوين ناغي لانت دي مزروي ناغ لانت تيقليدين لانت اسمس تيقليدين سي دي غان الزيتي دي المني دي زغمي دي غيغيل أسبو ساقي لنق دي تلاوين ناغ سيك داغ بلا مقران إليا أن بروبليم أن غرو بروبليم نك مد مكثير باللي اسمي سي ترقيين سعان تقليت نسن تين هنان اسمي دي روح عقبة بنو نافع ثقوف لي ثيد ثمطوس دي هي كاهنة دي هني سي سمان الكاهنة اسمي دي روح جينيرال غوندون يولينغ تقبيليت بور لا باسيفيكاسيون لا كابيلي انتي غوفا يوفا فاطمة سومر اسبو ساقي ارنو ياس اسميس ثقرا ولا الجزائر 54 اللي كانت تلاوين تيم قرانين تلاوين تيم قرانين فهمنت غرانت جهدنت اسبو ساقي اون بارل دو فيمينيسيد تي من غير تلاوين نتو لاس سي بور سا قرار لو 8 مارس ساقي 8 مغرب صغوري ذا مرزاق واطاس ايوا شو خاطر لو كانين لا ذي زوانيك زرفان سيدي ما شكا عن تضر الساقي اون بارلون جوستومون نهضر في 8 غير لاوين تسعد كريس فكا كريك دوني صح اسكو تموت القبائل قلنا الا خاطر وكادي نسين تموت القبائل اسكو ديال الجزائر لا لا ديال الجزائر تماثا بصح ويرنا
The Donithiok. The Donithiok. Et ce n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant, ça n'excuse en rien. Si on prend l'année juste 2020, c'est janvier à octobre, et il y a eu 39 féminicides. Quel niveau? Toute l'Algérie, voilà, toute l'Algérie, avec les derniers féminicides en Kabylie, Kinerori, il a arrivé le Coran. Il y a un problème très très sérieux. Absolument. Et donc. C'est impressionnant, 39, parce qu'on a entendu de Sheima, de Kenza, de c'est en Kabylie. Est-ce que c'est parce que l'information passe mieux en Kabylie? Parce qu'on n'a pas entendu parler de tels chiffres effarants en Algérie. Je pense, c'est à travers tout. Encore 39, c'est un chiffre officiel. Hein. Répertorié. Il y a répertorié, parce qu'il y a deux femmes, deux Algériennes très jeunes, magnifiques, qui ont un site et qui, en fait, font des enquêtes elles-mêmes sur les féminicides en Algérie. Et elles ne retiennent que les féminicides qui sont prouvés. C'est-à-dire est répertorié au niveau de la police, etc. Mais elles-mêmes, elles disent qu'il y a beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela, il y a des féminicides dont on n'en entend pas parler. Mais ce qui est grave, en tous les cas, pour ce qui concerne l'Algérie, parce qu'on a, on trouve toujours des excuses, dire « oui, le féminicide, vous savez, c'est dans le monde entier, ça ne concerne pas seulement l'Algérie, ça ne concerne pas les pays musulmans. » Moi, je dirais, dans les autres pays, il y a des lois. D'accord. Et par contre, en Algérie, les lois qui protègent les femmes ne sont pas là. D'accord. Et très souvent, si on prend la petite Sheima, vous voyez sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a un féminicide, à chaque fois qu'il y a une violence à l'égard des femmes, on essaye de trouver on essaye de trouver des raisons. Des justifications. Comme s'il y avait une justification à tuer quelqu'un. C'est comme si la victime devient, elle, le... Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire le bourreau. La responsable. Oui, exactement. Elle devient responsable de sa mort, elle devient responsable de son viol, et elle redevient responsable de la violence qu'elle subit. C'est ça qui est grave dans notre pays. C'est ça. Et ceux qui tiennent ce discours, moi, je trouve ça effarant, ce sont des jeunes. Des jeunes, c'est-à-dire quand on compare le discours des jeunes aujourd'hui par rapport à celui de ma génération, ou bien à la génération de mes parents, ou de mes frères, il n'y avait pas cette violence. Donc il y a une violence qui est en train de se généraliser en Algérie, et je pense qu'il faut absolument se poser la question d'où elle vient, bien que Rachida et moi, on le sait. Hein, voilà, c'est... Merci, Lila. Rachida. ce qu'elle vient de dire, Lila, je suis de Lila Thurin, Daily Swamen, nous sommes cassés, nous avons fait d'un an, Thamaru Tsakhbalith, Linda Hantour, et d'un an, Anda Mpadit Swat, Tilawi Nigmouth, Denis Nirit, Igualen, les victimes. Et on a dit, enfin, je sais qui Thamir, mais je suis de Linda Hantour, à Khatar Vrira Sénir, Thamir Tham Korant, Intseth, et Tilawi Nikom Intseth, Ir Gazendaren, de Thmurt Lakbayil. Ils luttent tous ensemble contre beaucoup de choses qui vont très mal, qui vont de travers. Smith, elle a dénoncé beaucoup, beaucoup de choses, justement, qui concernent surtout, en particulier, la Kabylie, parce que ils se sont ou les changent. C'est Manuel et Amzoul. Les coutumes, on sait, les gens disent. C'est la Waïdna, c'est la Waïdna, ou les changements, c'est la tradition, certes, nous avons dit que c'est la mort de Donithi, ou la Waïdna, et nous avons dit que c'est la Waïdna, et la Waïdna, d'ailleurs, il a le Qadar, il a le Hurma, qui est le Kher. Sur la Spoussagi, il a des solutions à ce phénomène. Il y a une perte de repères. Il y a une perte de repères culturels, de repères traditionnels, de repères qui concernent l'organisation sociale, l'organisation de la famille. Il se passe des choses sur lesquelles on devrait se pencher sérieusement.
Rachida Dourad-Larohm, Lila, elle a parlé, il convient de cerner les causes de ces phénomènes qui est nouveau dans la société. Et Linda Hentour, l'écrivaine, elle en a parlé justement. Justement, Lila, toi, de votre part, est-ce qu'on va incomber ça uniquement au code de la famille qui est adopté en 1984 en Algérie, ou bien il y a d'autres aussi raisons qui viennent de la loi sociale de chez nous, ou bien des coutumes, des traditions, notamment le patriarcat, la dominance de l'homme sur la femme. Est-ce que c'est, on peut dire que ça fait partie des raisons en dehors du code de la famille, ou les deux à la fois? En fait, le tout est lié. Hein. Ouais. Le tout est lié. Il y a une tradition, et j'ai compris un petit peu ce que dit Rachida, mais dans cette tradition, la violence était quand même quelque chose, c'était un phénomène rare. Et puis, même dans les familles, c'était rare qu'un homme lève la main sur sa femme. Moi, mon père n'a jamais levé la main sur ma mère, parce qu'il y avait justement une cellule familiale traditionnelle, même si je ne milite pas pour cela. Mais malheureusement, on a vu qu'après l'indépendance, juste après l'indépendance, elle parlait justement des guerrières, effectivement, on a toujours fait appel aux femmes pour combattre l'étranger. Et c'est ce qu'on a fait aussi pour combattre le colonialisme français. Donc, elles étaient l'égale de l'homme. Dans le combat, dans la difficulté, on est les égales des hommes. D'accord ? La première violence, moi, en tous les cas, qui m'a frappée, que j'ai apprise il y a longtemps, c'est la violence qu'on a fait subir à Djamila Boupacha. Djamila Boupacha, de par son procès, elle a fait connaître l'Algérie, la colonisation et la torture à travers le monde entier. D'accord. Il se trouve que cette jeune, parce qu'elle était très jeune à l'époque, quand elle a été libérée de prison et après l'indépendance de l'Algérie, elle a voulu rester en France pour faire des études d'infirmière. C'est le FLN lui-même qui est allé en France, qui l'a pratiquement kidnappée. Kidnappée. Ils ont été la voir, elle était, je crois, chez Gisèle Halimi. Elle est sortie à l'extérieur pour parler à je ne sais pas qui étaient ces gens du FLN, du consulat. Et puis après, on en a entendu parler une fois, sachant qu'elle était en Algérie. Donc voilà, vous vous rendez compte ce qu'on a fait à cette... C'est un symbole quand même de... Et puis après, il y a toujours eu, vous savez, le code de la famille, c'est en 84, mais il y a eu des prémices avant. Il y a eu des prémices avant, c'était les Moudjahidettes elles-mêmes. Moi, je me rappelle, ma première manif, c'était en 1980. Et puis, il y avait avec nous toutes les anciennes Moudjahidettes. Il y avait Ouzgen, il y avait Bouhirid, il y avait comment s'appelle la femme de... Oui, en fait, Madame Bittat, elles étaient là, elles étaient là, les pionnières étaient là pour dire non. Hier, on était vos égales, aujourd'hui, on veut le rester. En 62, on a renvoyé les femmes dans leur, à leur fourneau, comme on dit. Mais ce qui est plus grave, c'est justement ce code de l'infamie, comme l'a appelé Boudiaf, qui a été adopté en juin 84. Vous savez, juin-juillet 84, c'était les vacances. Il a vraiment été adopté en catimini. Et ce code de l'infamie, il déshumanise la femme. Elle devient un objet entre les mains de son mari. D'accord ? Et le mari, il a tous les droits. Il a même le droit de la frapper, parce qu'à l'époque, à l'Assemblée nationale, rappelez-vous, on a même discuté de la longueur du bâton avec lequel on pouvait frapper la femme. Mais enfin, c'est honteux. Mais ça, c'est ça le patriarcat. C'est en fait le patriarcat dans son expression la plus horrible et la plus machiste et misogyne qui soit. Parce que moi, mon père, comme dit, n'a jamais frappé ma mère. On peut continuer. Le code de la famille, ça a été, pardon, peut-être ça a été la chute. Ça a été la chute, justement, et la destruction de la cellule familiale. On a détruit la cellule traditionnelle, mais à côté, on n'a rien offert. Et quand il y a le vide, eh ben, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tu as nommé les lettres, tu as lire les rajouter de Nom Sley. Oui, de Nom Sley, Lila a tout à fait raison. Et Nisouhamen, c'est que, mais tu as lire Dostour, la Constitution. Femendeau, c'est ce qu'on a. Femendeau, tu as dit ça, Femendeau. Ça fait remanier, Amrkini Mourgaz. Ils ont fait kif-kif. Dans la Constitution. Aïn il-lendi l-karad, ou aïn il-lendi l-lout, il-mgarad. Tu as dit ça. ثورة ما إلا تسمى ثمن داو ثقيل تاكيين اسمس زرفان أضغرا أضفغا أضخدما أضروحا لونيفرسيتي جو سوي أون سيتويان ريسبونسابل أوسي ريسبونسابل كان نوم ثورة ما نوغالا لو كود دو لا فامي كلشي غادي يبدل أسمع الزوجة
Je m'explique, c'est-à-dire c'est un grand paradoxe. Ce n'est pas normal que un écrit qui est tout à fait officiel, une constitution, me consacre mes droits de citoyenne. Maintenant, elle soit chouette, elle aura alors une handicapée ou une attardée mentale. Et ça, même quand on dit que je dois, ce n'est pas possible. On ne peut pas avancer avec. Ce qui est grave, c'est que en fait, comme le dit Rachida, devant la loi, les hommes et les femmes sont des égaux. C'est-à-dire, si je commets un crime, je suis condamnée au même titre qu'un homme. Pénal. D'accord. Oui. Si la loi s'applique à moi et aux femmes et aux hommes de la même manière, d'accord. Mais si je reviens à l'intérieur de mon foyer, je ne suis plus citoyenne. C'est le code de la famille est au-dessus de la Constitution. C'est incroyable. Exactement, nulle part ailleurs. Et le code de la famille de 84, la femme, mais alors on n'est pas du tout citoyenne. C'est, en fait, il y a quelque part une schizophrénie pour faire de la femme. En fait, dans la femme, on a fait deux individus. Celle qui est dans la constitution algérienne et celle qui est à l'intérieur de la cellule familiale et qui est au service des hommes. مرسي ليلى امدوغا لا غور مارشيدا من المكان نسفوغل ماشي نسفوغل سفوغل سي لاسي ليبراسيون بلوتو ذس ميكتي كوميموراسيون نمول لي ويسين نتيغو لا نفوغا دوزيام انيفرسير دو اهاث توقفو مسلاي وثقاري كي افين منقا لي بريالابل ديموكراتيك لذغا أول غفاوين منقار ثغرث نزرفان نعم وزلن ما يدين لشرط دي فالور ديمقراطيك أهاث نعم سونيت نو سولوين وكني أتفقنم الغير نوان الصوت نوان وكني أذيلين أمساوي يار ثلوين ذي أنجازن أذيلين ذيكس دينا ديفانن pour que ce point soit intégré dans la charte des valeurs démocratiques, à savoir l'égalité des hommes et des femmes. Absolument. Parce que ce qu'on appelle le hirakagi. Le soulèvement. ثورا الا قنم فهمت شو تسلا ديموكراسيه كي ثورا ما الا النفس للجزائر تقليبنا في الحريه في اللي باش هكا اذنغن في اللي بياض سي با لا بين اي هنقيم كان هكا خير اي هو شو نحركو كيما نقولش تاكي سي لوكازيون او جامي بيان اونتوندو سي اون با سي ليغاليتي انت اوم اي فام لي دروا des hommes et des femmes, c'est un préalable à tout état de droit. Mais on peut dire l'état de droit yagi, et il y a un chose que amène yagi qui est chaud, Sur la main là, on aura l'ardfir, ramqaran qui kif. Je reviens sur Lila. Je repose la question autrement. Je l'ai posée en kabyle, je la pose en français. Est-ce que on va considérer est-ce qu'il y a cette crainte de faire passer les droits de l'homme, les droits de la femme, plutôt dans cette révolution, et voilà, peut-être sacrifier, ou c'est une opportunité peut-être qu'il faut saisir pour mettre à terme à ce code de la famille ou de l'infamie, comme l'a dit Bourdieff, comme vous l'avez dit. Donc, est-ce que c'est une occasion propice pour que la femme algérienne, dans cette révolution, elle va dire plus jamais ne sera comme avant, ça veut dire pour l'égalité de la femme et des hommes au même niveau. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une opportunité ou pas? C'est une opportunité, bien entendu. Si vraiment l'Algérie veut être, comment dirais-je,
au même titre que les autres nations qui reconnaissent la femme en tant que citoyenne, ou bien alors là, il faut refaire la Constitution. Et dans la Constitution, il faut dire que les Algériens ne sont pas égaux, il y a les hommes qui y a prédominance de l'homme sur la femme. C'est le code de la famille tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y a aucune réforme à faire au niveau du code de la famille. En 2006, il y a eu des réformettes. J'appelle ça des réformettes parce qu'on dit la femme, moi j'ai entendu partout, la femme elle est tutrice de ses enfants. Ce n'est pas vrai. Elle est tutrice de ses enfants après le divorce. Mais avant le divorce, elle n'est pas tutrice de ses enfants. D'accord. La femme, comment dirais-je, perd la garde de ses enfants. Elle a la garde de ses enfants et on a voulu nous faire croire qu'elle avait aussi le logement. Non, elle n'a pas le logement. Elle a une somme d'argent qui lui permet de louer, sachant ce que coûte le loyer en Algérie. Il y a cela. Vous savez que la pension alimentaire, elle est toujours dérisoire. Et pour quitter le territoire, effectivement, la femme a toujours besoin de l'autorisation du mari. Même pour opérer son enfant dans un état critique, elle a besoin de l'autorisation de son mari à ce jour. Donc, soit on prend ce que de la famille et vraiment on le met au rébut, il n'y a rien à apprendre de ce code, d'accord. Mais il y a quand même un préalable. Parce que moi qui étais dans l'enseignement, j'ai enseigné 23 ans en Algérie avant de venir ici, l'islamisme, l'islam politique, le patriarcat, on s'est servi de patriarcat, on l'a mélangé avec l'islamisme politique, etc. Et en fait, d'où sort le code de la famille? Vous savez, quand au niveau du système scolaire, tout part de l'école. Maintenant, où nous avons une école où on apprend la citoyenneté à nos enfants, où on apprend le respect, justement, de l'homme et de la femme, le respect entre citoyens, l'égalité entre citoyens. Mais si on continue à aller encore chercher dans cet islam politisé, pour essayer d'avancer, ce n'est pas vrai. Parce que j'ai appris qu'en fait, même... par rapport au logement, on vous dit on s'est basé sur l'islam concernant le logement, etc. Ce n'est pas vrai. Dans le droit malikite, comme l'explique Nadia Izzai, dans le Coran, on ne parle pas de logement. Donc d'où sort que ce logement doit être au mari? Comment dirais-je? Toutes ces autorisations que les femmes doivent avoir par rapport à leurs enfants, ça n'existe pas non plus. Vous savez, même en 84, aujourd'hui on dit, jusqu'à présent, c'est ancré dans la mentalité des gens que pour le témoignage, il faut deux femmes pour un homme. Alors que ça n'existe pas. J'ai appris que c'était une circulaire. Qu'on a envoyé aux APC, mais il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut deux femmes pour un homme. C'est une circulaire qui a été envoyée par ceux qui réclament aujourd'hui la charia et qui, il y a quelques années de cela, ont manifesté dans les rues d'Alger avec le drapeau de l'Arabie saoudite. Maintenant, soit, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais si on veut une société égalitaire, toutes ces choses-là dont on vient de parler avec Rachida doivent absolument disparaître. Et l'école est importante. C'est là où on construit le citoyen de demain. Et le citoyen de demain qu'on a construit malheureusement, c'est celui qui... La violence, elle ne nous est pas tombée du ciel. Vous savez, je me rappelle très bien, c'était un ministre de l'Éducation qui faisait partie de Hamas, parce qu'il y a eu des... je ne connais pas son nom, je l'ai oublié. Et j'étais encore en enseignement. C'est Ben Mohamed, je pense. Non, un autre. Et il avait changé des hadiths, d'accord? Il y avait le hadith « Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat ». Il a changé en mettant « Al-Jannatu tahta dhilal suyuf ». Et puis après, regardez ce que ça a donné. Ça a donné des lèvres soyouf, et puis on s'est mis à tuer les gens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de cette société maintenant? Soit on l'écoute, mais le Hirak, vous savez, je ne sais pas, moi, quand je vois des gens qui sont à l'avant-garde dans ce Hirak et puis qui ne reconnaissent pas les droits des femmes et qui disent, moi, ma femme, je ne la laisserai pas travailler parce que je ne veux pas qu'elle soit embêtée par un homme. Je me pose des questions, hein. Vraiment, je me pose des questions, voilà. Donc, au lieu d'apprendre le respect, justement, et
Ça dépend, mais c'est un préalable. C'est merci, un préalable Léla. Je vois le, Rachida veut ajouter quelque chose parce que j'ai une question pour toi. Vas-y. Je vais vous dire la chose. Je vais vous dire la chose que Léla, parce que c'est grave aussi ça fait le temps de l'année. Et Arvez Darren, effectivement, Kulchi, il veut déjà des trois choses. Ok, on va maintenant aller à Arvez, on consolide ce qu'on a comme éducation à la maison. Tout à fait. Or, sur le cas de Chen Souali, Mathieu Chemin de la Koul, Raounard Souralin, Machi de Raounard, le programme scolaire, de Raounard Arvez, le régime, ce qu'ils ont décidé de faire de nos enfants. ثورمنو على تمثال الدين ماشي ضغفل لو كان يتساوي الوفريد اللقام الافريد الصلاح افريد يتساوي او بيانتر كوليكتيف كومان وين يتساوي فيغ لابيزمون لابي دو لام فيغ اون سبيريتواليتي ابيزي فوالا فيغ اون سبيريتواليتي اون ريال سبيريتواليتي. Maintenant, quand on le vide, elle vient de dire « تحت الجنت ou تحت ظل السيوف ». La chose tout de la chose accusée, nous connaissons mais elle a des drapeaux, drapeau l'Arabie Saoudite, des choses. Et quand c'est, mais c'est dieuwen. Est-ce que l'expression « شهادان اكلسيف » السيف. السيف هي غرسيدي. Il m'a dit « ربني واش استرنوا السيف ». اسمي اول نسيف بالسيف توساد سيام مازال ذقنا نقريت بالسيف شهاده بالسيف يعني ذاك بالسيف وي ايوا شو تقدر نغيون يون تمثلت كان ايوا شو والصغرين هذا مثلا اسمي ابن رشد افيغويس افيسن ابن سينا ابن خلدون سوسيولوج سوسيولوج فيلسوف اسمه ابن رشد ان جوريست ابن رومي فوالا ابن طفيل الفارابي اي واشو باسكو ويذين استعمل استخدام العقل لا ريزون لا كريتيك لسبري كريتيك لسبري كريتيك ابن رشد يناد لي تيكست ديفان doivent être acceptés par la raison. Voilà. Cela veut dire, cela sous-entend que ça prend une réflexion. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller vers une interprétation raisonnable. Or, aujourd'hui, on ne veut pas de réflexion. Il ne faut pas que nos enfants se mettent à réfléchir. C'est très grave. C'est exactement ce que dit Léla, c'est l'école. C'est l'école. Absolument. Qu'est-ce qu'on donne comme programme à l'école? C'est ce qui va former l'enfant. Je voudrais juste rajouter une chose. Oui, vas-y Léla, rapidement. Si on continue à, enseigner, la religion, c'est pas quelque chose de simple à enseigner. Moi, je trouve qu'on devrait enseigner à l'école ce qu'on appelait avant l'éducation civique. La morale. La morale et l'éducation civique. On a besoin d'éducation civique. Voilà. D'accord. Maintenant, la religion, très sincèrement, ça, je pense que dans le domaine de la famille. Moi, en tous les cas, je n'aimerais pas qu'on enseigne la religion à mes enfants. C'est moi qui m'en occupe. مرسي ليلى غادي نوض الحاجه غافيد مو خاطر كيمكن نستسع خاطر دامع الوقت واحد غير غادي نوض يوث الحاجه باسكو جوستومون لك الدين وسعي غير اغفلي يدس دا شوث الدين اديسن ايكسن ام زروينو ايكس ادلسينو ايكس ثوث لاتينو ايكس مون ايدنتيتي ويديني قبل ما ميدي روح قبل الاسلام Il attaque mon être, ce que je suis. Ça, c'est très grave. Finalement, l'islam politique, parce qu'il faut nommer les choses par leur nom, il s'agit de l'islam politique. Les desseins d'un islam politique, c'est le pouvoir. Et une fois au pouvoir, c'est dogmatique. Le dogme est liberticide. Juste quelque chose. اسمي ديلول مي دي 83 ان 83 ان بروف دو سيونس اسلاميك ينايد مدام اي واش تسمي مي ما سينيسا انا قصد الخير كان ان خاطر ماشي دي نسلم
ناس فايز كصد تصلينو واو كصد تصلينو اجمال الناس ما يروح لاكل دي ماركي ميسنس ايوا شو كسيله كسيله واش سميت كسيله اي غير كسيله ينغى عقبه اي با جيسبر بيان يوسد اسيا وي ثمورثيس يوسد اسيا وي امك ادي نسى يوسد سيسيف نسى يوسد سيسيف اسمي كسيله غثي قبل سوفندير زوج هذه قبل يمكن كثر يفو كومام سي سي يا مينيموم دو 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 راسيوناليتي مينيموم دو ريزون لا نساش كرا التمثالين تنمية رشيدة جو بونس كو اون فيا لا فان دو ليميسيون جوست بوتيت ان بوان دو بلوس وي جوست ان بوان دو بلوس موا تري سانسيرمون جامري كو لي زوم الجيريان وي prennent conscience de la souffrance des femmes algériennes et acceptent que les femmes algériennes, en devenant leur égale, c'est un plus pour la société et c'est un plus pour les hommes. Voilà. Merci Lila. On y prépare le temps, ça sera votre dernier, vos derniers mots en fait. Hein. D'accord. Donc, Daouliman Guerron a donné. Voilà, d'achat d'énergie, belle justement, ergest matos, la houn et jmir. Un tsakarafous, yonofous. Et Oyerna, c'est un partenariat. Il a ergest n'a qu'il donne Lila, à droite, à droite, ils se remettent en question. On se remet tous. Tout en question vers une société meilleure. Épanouie, meilleure. Ouvrir Canada avec des nerfs, 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 avec l'image de votre émission, c'est-à-dire les gens s'expriment librement, même si on n'est pas d'accord. C'est tout une, à fait. C'est, parce que c'est rare. C'est rare des occasions comme ça. Merci beaucoup. Lila, ton mot de la fin. Mon mot de la fin, merci beaucoup parce que c'est un espace quand même où on peut échanger dans le respect et je trouve qu'on peut aussi le faire. Ça se fait aussi en Algérie. Il faudrait quand même que ce gouvernement comprenne qu'aujourd'hui on est au 21e siècle. D'accord. Et puis la politique algérienne, il faut que ceux qui nous gouvernent sachent que nos enfants ne leur appartiennent pas. Nos enfants appartiennent à l'Algérie, c'est leur pays, et ils devraient comprendre que ces jeunes qui traversent la Méditerranée, qui préfèrent mourir que vivre chez eux, ça devrait quand même peut-être un petit peu les faire réfléchir. Interpeller voilà. Interpeller, exactement, voilà. Lila, merci beaucoup. Merci à toi. رشيدة تنمي ثم تسطى سكيت الدنيا رشيدة كتي تعاود ليلى تكيد تيكو سانك تكيد وكذا يقولون تكثيوين تكيد بوليتيكا كريتيكا أو نتساوين يكو كتير تسجيلين تيكو سانك عمدي تساوين تكثيوين مياغذن سيال ثما نتخمام نفندم سيال ثما نتموت سيال ثما نتغمر ذي الدنيا ثيه أكيد وستقرار نموتون أكير نقاون تكثيوين نفكار إلمند نيزان فان نتمطوط يسان مليل ذي سنتان يظنون دين قيمة في تلبيه.